Il était prévu dès l'origine qu'Olivier Poncet ne se joigne pas à nous et intervienne par mon truchement. En revanche, Olivier Matteoni et Olivier Guillaugeanin ont été retenus, ont dû faire face tous les deux à des imprévus très récents, à des contraintes personnelles de dernière minute. Je vous prie donc de les excuser pour cette absence. Vous n'aurez qu'un Olivier en lieu de quatre, vous m'en excuserez. J'ai le plaisir en revanche d'être accompagné par Mélissa Barry, doctorante à l'Université Paris 1, qui a participé aux travaux menés par Olivier Matteoni et Olivier Guillaugeanin et qui a accepté de les représenter presque au pied levé, en tout cas un petit peu à la dernière minute. Je l'en remercie vivement. Ce sera donc, vous le voyez tout de même, une intervention à plusieurs voix, préparée à plusieurs mains et présentée au moins à deux voix, pour vous présenter trois opérations distinctes menées au sein du LABEX au cours de ces dernières années. Tout d'abord, une journée d'études qui a été organisée par le Centre Jean Mabillon et le LAMOP en 2016 et qui était consacrée à l'écrit, à la chancellerie de Jean de Berry. Cette journée venant prolonger un séminaire au long cours organisé par Olivier Matteoni et Olivier Guillaugeanin depuis de nombreuses années. J'évoquerai ensuite un travail collectif qui a été mené sur les mentions de chancellerie et qui a donné lieu à un colloque co-organisé par le Centre Jean Mabillon de l'École des Chartes, le LAMOP et les Archives nationales et qui débouchera sur une publication désormais imminente. Enfin, j'en terminerai avec le 14e congrès de diplomatique qui s'est tenu à Rome en 2015 à l'initiative de l'Université Roma Tre et du Centre Jean Mabillon, là encore avec le soutien du LAMOP et bien sûr du LABEX ASTEC. Ce sont trois opérations donc distinctes, mais que nous avons souhaité vous présenter en commun parce qu'elles partagent toutes les mêmes objectifs et elles font véritablement programme. Il s'agissait dans tous les cas de saisir à différentes échelles les techniques de l'écrit sur le temps long pour tenter de comprendre comment celles-ci se forgent, comment elles circulent, elles se transforment au gré des innovations, comment elles peuvent s'enraciner ou au contraire péricliter. Je cède donc tout d'abord la parole à Mélissa Barry pour évoquer le laboratoire de la chancellerie du duc de Berry, qu'elle a contribué donc à scruter au cours de ce séminaire Jean de Berry et de la journée de juin 2016. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis donc doctorante au LAMOP et j'ai le plaisir de présenter. Oh, pardon. Et j'ai le plaisir donc de présenter aujourd'hui le projet Jean de Berry auquel je participe depuis maintenant 5 ans. Donc, au nom de messieurs Olivier Guillaugeanin et Olivier Matteoni, donc qui s'excusent de ne pouvoir être présents. Donc, les quelques réflexions que nous présentons aujourd'hui sont tirées d'un travail de séminaire qui a été co-organisé par l'Université Paris 1 et l'École nationale des Chartes. Il vise l'édition électronique du corpus des actes du duc Jean de Berry. Donc, Jean de Berry, vous le savez, fils du roi Jean de Lebon, frère de Charles V et oncle de Charles VI, il a été placé à la tête d'une très vaste principauté apanagiste, donc que vous pouvez voir sur la diapositive, augmentée de quelques acquisitions et prolongée aussi de 3 lieutenants successifs en Languedoc, ce qui représente une domination étendue dans l'espace, mais aussi dans le temps, avec près de 6 décennies de gouvernement. Pour le moment, nous avons réuni et édité 100 actes, sur un total potentiel de quelques 600 actes, et nous avons mené en parallèle une première étude diplomatique axée sur les rapports avec les écrits documentaires des princes français contemporains et évidemment avec la chancellerie du roi de France. Nous rencontrons ainsi l'un des axes du LABEX ASTEC en abordant le problème de la circulation et des ressorts entremêlés des savoir-faire et des formes diplomatiques. Donc le degré de convergence des productions françaises dès les décennies médianes du XIVe siècle est frappant. Il y a bien désormais une diplomatique princière et une diplomatique princière du royaume. Cette double identité donc, ressort d'elle-même si l'on juxtapose au hasard un acte du duc de Berry, pourtant plus solennel, et un acte du duc de Bourbon. Or, nous n'avons pas affaire ici à de sages emprunts entre voisins qui s'apprécient ou partagent leurs rédacteurs, puisqu'un élargissement de la moisson, donc sur cette diapositive, montre que le format allongé, l'attache du sceau sur simple queue de parchemin et aussi diverses formules se retrouvent à l'identique ou presque en Navarre, en Armagnac, en Bourgogne et en Bretagne. On voit également que dans tous ces cas, c'est le type du mandement royal, donc c'est un ordre donné à un subalterne et caractérisé par une forme fortement épistolaire, qui a ouvert la voie. Donc avant de s'interroger sur les agents et les effets de ces emprunts, il nous faut inventorier leurs manifestations, délimiter leurs contours et également peser leur part.
À regarder de près, les contrastes sont partout, entre des traits graphiques, rédactionnels, etc., communs avec ceux des actes royaux, mais aussi des usages aberrants vis-à-vis de ces derniers. D'un côté, on retrouve des choix linguistiques identiques entre le français et le latin, des typologies partagées dans la rigueur de leur code visuel et dans leur fonctionnalité. Par exemple, voici une charte scellée sur l'âne soie qui indique la perpétuité. On remarque aussi des usages conformes, y compris du point de vue de l'ornementation avec celle-ci, ainsi que des formules typiques qui chantent royales mais sont soumises à plus ou moins fortes variations. D'un autre côté, on remarque des pratiques totalement étrangères à celles de l'acte royal, qui traduisent peut-être une recherche de synthèse ou de discrétion, ou encore la mauvaise compréhension des clercs. On peut citer par exemple la cire rouge à la place de la cire verte en bas des chartes, ou encore l'annonce du scellement dans un mandement. Bon, plutôt que de nous attarder ici sur le bilan, nous voudrions surtout cerner les intentions, car les termes qui nous viennent naturellement ne sont eux-mêmes pas dépourvus d'a priori. Imitation et captation riment volontiers avec usurpation, influence déplace l'initiative et tend à renverser le sens. La méthode étant toute tracée, nous pouvons maintenant partir de quelques expressions phares des actes royaux, en commençant par la fameuse « grâce et spéciale ». Donc, sur un total d'environ 100 actes disponibles pour l'heure à l'enquête, on retrouve la formule 29 fois prise dans l'une ou l'autre des configurations. La grâce et spéciale apparaît seulement 9 fois et 10 fois couplée avec la certaine science. Pour des raisons difficiles à expliquer, la formule double est exclusive jusqu'en 1373, éliminée à compter de 1375, puis réapparaît ponctuellement en 1403. Si le trait est avéré, il pourrait signifier une ébauche de centralisation de la rédaction, discernable dans d'autres produits contemporains, par exemple une série d'actes solennels pour la Sainte-Chapelle de Bourges, réalisés par des notaires différents. Toutefois, la floraison d'autres formules vient aussitôt contredire l'hypothèse. D'abord parce que les formules plenitudine potestatis et autoritate regia demeurent un fruit interdit, bien qu'alléchant. Le recours à ces dernières, qui procèdent par accumulation, comme vous pouvez le voir, est relativement normé d'un acte à l'autre, mais l'on ne saurait dire s'il est contraint. Quoique non identiques, les formulations de 1368 et de 1402 ont indéniablement un air de famille, et elles attestent d'une diffusion entre secrétaires, peut-être à l'occasion d'un apprentissage. Le rôle de la lieutenance dans la catalyse rédactionnelle est alors plus que clair. Enfin, un troisième groupe se dessine, totalement atomisé, où des rédacteurs forgent avec une relative liberté et aussi de riches combinaisons un arsenal de formules plus concises, renvoyant à des horizons variés, royaux, pontificaux, peut-être médiatisés, ou encore issus de l'acte privé. La variété des emprunts traduit également celle des protagonistes. La production des lieutenances, qui est donc animée par des équipes royales, révèle par vocation et nécessité un haut degré de conformité à la production royale dont elle suit de très près la typologie. La vieille principauté gère, parfois jusqu'au contresens, le maintien de ses anciennes traditions diplomatiques et l'introduction de traits royaux. L'apanage, qui souffre souvent d'une absence d'unité comme de tradition ferme, bricole alors une diplomatique où les influences royales pèsent lourd mais demeurent volontiers sélectives, d'autant plus que l'apanagé est toujours surveillé de près et ramené sur le bon chemin dès qu'un écart vient remettre en cause son rôle de second. Toutefois, malgré l'indéniable compétition, ces captations semblent davantage manifester le souci d'appliquer des recettes dont l'acte royal avait montré la pertinence et le succès. En effet, les caractères graphiques parfois éclatants de l'acte royal, son lexique ferme, ses argumentaires nourris aux prospections des juristes, ses clauses bien typées et saturées de légitimité, se prêtent à toutes les constructions étatiques. L'imitation princière ne serait alors qu'un aveu de la supériorité diplomatique du roi de France, qu'elle renforce en diffusant le discours royal dont elle s'est imprégnée. Il reste à s'interroger maintenant sur les canaux et supports de ces emprunts. Ils peuvent s'appuyer sur la circulation des rédacteurs entre chancellerie royale et princière, mais les effectifs impliqués semblent alors plutôt faibles et les temps d'exercice souvent courts. De même, si des formulaires circulent en nombre croissant, ils contribuent moins dans un premier temps à la standardisation et à la stéréotypie des productions qu'à la mise à disposition des trésors rédactionnels hétéroclites, parfois glosés. C'est bien qu'on est amené à mettre au cœur de l'évolution la circulation intensive des actes royaux eux-mêmes qui familiarise chacun, à commencer par les rédacteurs potentiels, avec des formes spécifiques et survalorisées. En retour, bien souvent, une bonne dose de conformisme, d'entraînement rhétorique, de contact avec les anciennes productions, voire de passivité tout simplement, expliquera que l'imitation de l'acte royal puisse connaître tant de dégradés et d'hybridations. On se retrouve alors au cœur de l'analyse diplomatique, car un tel constat apprend à restituer l'œil diplomatique du XIVe siècle
ou du 15e en ce qui concerne aussi la fin du règne de Jean de Berry, c'est-à-dire la façon dont la production diplomatique était alors perçue. Bien souvent, on se contente d'approximations pour faire royal et l'accumulation de quelques traits spectaculaires, graphiques ou rédactionnels suffit. Parmi ceux-ci, on peut relever par exemple le format, la mise en page, la tâche, et encore vue de loin, et des formules qui chantent royal par-delà leur infinie variation, une variation qui concerne par ailleurs l'acte royal lui-même et qui enrichit finalement la construction d'un discours unitaire. Donc c'est ce même équilibre subtil entre variation et unité, entre imitation et particularisme, qui permet de mettre en valeur, cette fois donc à l'échelle européenne, une technique spécifique employée par les chancelleries médiévales et modernes, celle des mentions de chancellerie. Et je vais redonner la parole à Olivier Canto pour Merci son exposé. Beaucoup. Merci beaucoup. De fait, seule une étude de détail aussi minutieuse que celle qui a pu être menée sur les actes de Jean de Berry permet ainsi de saisir dans toute leur finesse les rapports complexes qui peuvent unir deux chancelleries. À plus large échelle, un tel exercice se révèle extrêmement difficile dans une Europe où depuis le XIIIe siècle, les tendances à la standardisation de la documentation sont fortes. Dans ces conditions, les similitudes entre les productions de deux chancelleries sont-elles réellement le fruit d'un processus d'imitation ou d'influence ? Il est souvent impossible d'être affirmatif et de dépasser le stade des hypothèses. Or, la technique des mentions de chancellerie, employée par de nombreux bureaux d'écriture au Moyen-Âge et à l'époque moderne, autorise à mener aisément des analyses à plus large échelle, et c'est à cela que nous nous sommes risqués lors d'un colloque tenu donc il y a maintenant quelques années et désormais sous presse. De quoi s'agit-il ? Les mentions de chancellerie sont des indications portées sur les actes pour organiser la production écrite à l'intérieur d'une chancellerie. Elles prennent la forme de petites notes, souvent sommaires. Vous en avez ici un exemple sur un acte pontifical. Vous distinguez sans doute à peine ces petites notes encadrées ici. Des notes qui permettent de s'assurer que les procédures bureaucratiques d'expédition des actes ont bien été respectées et donc que l'acte peut être valablement émis au nom de l'autorité qui en est garante et peut être remis à son destinataire. De cette fonction des mentions dans les procédures internes de la chancellerie, découlent deux caractéristiques très précieuses pour l'historien des techniques administratives. D'une part, ces mentions font prioritairement état de l'intervention d'individus nommément désignés, en particulier les scribes et les notaires qui les ont apposées. Elles permettent ainsi de confronter les productions des membres d'une chancellerie à leurs parcours professionnels individuels, souvent bien documentés à partir du XIVe siècle. D'autre part, en raison de leur usage prioritairement interne, les mentions hors teneur, les mentions de chancellerie sont souvent sibyllines, parfois cachées, voire cryptées, comme ici à la chancellerie carolingienne, où elles sont écrites sous forme sténographique. Vous en avez une retranscription. Au total, chaque chancellerie va construire sa propre grammaire de signes. Cette situation permet à l'historien de pister avec une relative sûreté d'éventuels échanges entre chancelleries, que l'étude des parcours individuels des scribes vient, dans la mesure du possible, étayer. Deux éléments sont particulièrement révélateurs dans le système mis en place par chaque chancellerie. Tout d'abord, le texte des mentions, bien sûr, et les formules qui y sont employées. Certaines formules peuvent en effet circuler d'une chancellerie à l'autre, telle l'expression « ad relationem » employée par la chancellerie royale française pour décrire l'intervention d'un intermédiaire entre la prise de décision du souverain et le notaire chargé de mettre celle-ci par écrit. Vous en avez ici un exemple sur un acte des années 1310, au moment où elle devient donc d'usage courant à la chancellerie royale française. Or, dans les décennies qui suivent, cette formule se retrouve dans de nombreuses chancelleries princières dans l'orbite du roi de France, d'abord à l'intérieur du royaume, dans le comté de Flandre, le duché de Bourgogne, le duché de Bretagne, puis en dehors de celui-ci, en Hollande, en Brabant, en Hainaut, en Dauphiné, un peu plus tard en Savoie. Une avancée qui se trouve nourrie par la circulation des notaires, notamment au gré des alliances diplomatiques nouées par ces princes avec le roi de France. La formule n'en reste pas là. À partir de 1336, elle se rencontre à la chancellerie du comte de Luxembourg Jean, qui est aussi roi de Bohême. En ce cas, son utilisation a pu être pistée avec précision. Elle apparaît tout d'abord sous la plume de notaires d'origine française, puis est adoptée dans un second temps par leurs collègues allemands et tchèques au service de Jean,
dans le cadre d'un véritable transfert technique. Lorsque le fils de Jean devient empereur sous le nom de Charles IV, la formule entre alors à la chancellerie impériale, ce qui suscite un nouveau temps de diffusion dans les principautés d'empire et au-delà dans la deuxième moitié du XIVe siècle. À côté du texte même des mentions, leur forme graphique peut aussi être révélatrice de circulations régionales ou suprarégionales. Ainsi, les chancelleries peuvent-elles conférer à leurs mentions une mise en page spécifique selon une stratégie de distinction. On peut le voir par exemple au bas de ce traité entre le duc de Bourgogne et le comte de Savoie. Tout le contraste entre la mention bourguignonne à gauche, écrite à longue ligne dans la tradition royale française, et celle de la chancellerie savoyarde, écrite sous forme d'une colonne de noms à droite, une présentation qui est empruntée à sa voisine Delphinale. Mais c'est surtout dans cette mention très particulière qu'est la signature que la circulation de modèles graphiques est sans doute la plus manifeste. La signature, c'est en effet un nom qui garantit l'intervention du signataire, mais c'est aussi une façon d'écrire ce nom, à la fois toujours identique et en même temps propre à chaque individu, grâce à l'adjonction d'éléments graphiques, ce qu'on appelle le paraphe. Or, ces paraphes sont soumis à de véritables modes, bien mises en évidence par Claude G. Ainsi, le roi de France, lorsqu'il signe pour la première fois des actes au milieu du XIVe siècle, s'inspire, vous le voyez, directement des créations de ses propres notaires. Le modèle royal français est d'ailleurs très vite repris par d'autres princes de l'espace français dans un contexte de compétition symbolique féroce. Néanmoins, ce symbole, ce signe, ne s'impose pas partout. Le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, ne fait jamais usage d'une signature, sans doute, sans que la raison en soit explicite, sans doute est-ce un choix purement personnel. Quant au duc de Bretagne, il entend marquer sa position particulière dans le royaume en usant d'un tout autre modèle graphique, manifestement inspiré du roi d'Angleterre. Dans l'ensemble, les échanges mis en évidence ne se résument donc pas à des phénomènes d'influence ou d'imitation des modèles impériaux et royaux, suivant une voie hiérarchiquement descendante. Ces modèles sont, sans surprise, extrêmement prégnants, mais ils se heurtent aussi à des résistances et à d'autres pratiques alternatives. De fait, la diffusion des mentions de chancellerie suit des circuits complexes, nourris par la circulation des praticiens de l'écrit. Du reste, ces praticiens de l'écrit ne sont pas les seuls, bien entendu, à circuler dans l'Europe médiévale et moderne, et les marchands contribuent eux aussi à de tels phénomènes. Et j'en viens ici à la troisième opération que j'évoquerai ce matin, le 14e congrès de la Commission internationale de diplomatie, qui était consacré aux écritures marchandes. En soi, le sujet retenu ne constituait pas une extension du domaine de la lutte pour une diplomatie ouverte. Cette ouverture est en réalité inscrite dans le programme même des promoteurs de la Commission internationale de diplomatie, en premier lieu de Robert-Henri Bottier. Pour notre propos, les archives issues des activités de commerce et de finance matérialisent à la fois les nouvelles conquêtes de la diplomatie du dernier demi-siècle et le phénomène de la circulation des hommes comme de leurs techniques scripturaires. Moins que d'autres, l'homme du négoce, qu'il soit au près ou au loin, se laisse enfermer dans des considérations territoriales. Et moins que tout, il laisse enfermer sa documentation dans des modèles strictement nationaux ou provinciaux. Là se joue donc le rapport à l'autre et le rapport à soi, c'est-à-dire à son entreprise, au sens étymologique autant qu'économique du terme. Utiliser des outils adaptés à la taille et au contour de la firme, mais aussi adaptés au dialogue avec l'extérieur, résulte donc avant tout d'une décision rationnelle. L'adoption précoce ou tardive de la comptabilité à partie double, voire son non-usage dans les espaces anglais et français de l'époque médiévale, est un bon exemple de cette analyse raisonnée des instruments écrits les plus efficients. Les phénomènes de circulation et de franchissement spatiaux sont donc tout d'abord perceptibles dans une production documentaire aussi éloignée que possible des modèles immédiatement lisibles par les destinataires. C'est le cas de ces contes vénitiens, dressés dans le plus grand respect des usages d'écriture de la Sérénissime, qui sont soumis au plus important de ses clients dans le royaume de Hongrie, le souverain lui-même.
De tels échanges documentaires sont encore plus perceptibles lorsque les zones de contact sont aussi des zones de frottement culturel fort, comme le montre par exemple l'archivage de quittances arabes dans les coffres de la communauté commerçante de Pise au début du XIIIe siècle. Autant d'écritures qui témoignent ainsi de l'autonomisation de la sphère marchande. Toutefois, il serait erroné de prétendre que les marchands ont une perception à ce point jalouse de leur indépendance par rapport au pouvoir public qu'ils en ont rejeté les outils de garantie juridique. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand marchand, d'une firme régionale ou d'un organisme supranational comme la Hanse dans les espaces de la Baltique, les outils les plus efficaces sont souvent les plus traditionnels, par exemple le chirographe. Ces outils sont empruntés d'ordinaire à l'autorité la plus étroitement liée à leur activité, c'est-à-dire à la sphère urbaine. Ils en suivent dès lors les prescriptions diplomatiques en vigueur dans tel ou tel espace, puisque seuls comptent l'efficacité et la performativité des actes. Mais lorsque les marchands et les banquiers possèdent une typologie documentaire spécifique, elle l'emporte sur d'autres choix. La lettre de change est le parangon des actes qui connaissent un succès que rien ne vient démentir au cours des époques. Le formulaire y est réduit à l'essentiel. La date, sur cet exemple du XIVe siècle, souligné en rouge. Un verbe, payer, qui commande tout le reste, il est souligné en bleu. Le délai, en jaune. Le compte destinataire, en rose. Et l'acceptation du destinataire, en vert. Les éléments constitutif de cette lettre du XIVe siècle, se retrouve à l'identique 330 ans plus tard. D'un bout à l'autre de la période considérée, il n'est pas exagéré de parler ici de koiné diplomatique, une koiné paradoxalement construite, puisque seule change précisément la langue usitée. La technique de l'imprimerie fait par ailleurs une apparition plus précoce dans les usages commerciaux que dans tout autre pratique administrative moderne, puisque dès le XVIe siècle, vous le voyez, les notaires qui ont à instrumenter des actes de négoce, par exemple des polices d'assurance, s'y livrent sans vergogne, à commencer par le nouveau poumon économique de l'Europe que constitue la péninsule ibérique. De manière générale, le monde commerçant est ouvert à l'innovation et désireux de partager son savoir au-delà des apprentissages au sein des entreprises. L'imprimerie accompagne le développement d'une plus grande compréhension interprofessionnelle. Dès le XVIe siècle, les manuels porteurs des innovations et des bonnes pratiques de l'ars mercatoria deviennent des best-sellers à l'échelle européenne. Ils sont déclinés selon des formats nationaux, comme cette méthode dédiée à Colbert. On le voit là, il n'échappe pas alors à l'attraction politique d'États qui, faute de pouvoir offrir des instruments pertinents, s'efforce d'encadrer une production pour prétendre maîtriser tout un secteur de la vie économique et sociale. Au total, le thème de la circulation des techniques de l'écrit est encore nouveau pour la diplomatique, qui a souvent reculé à franchir les frontières nationales. Or, la notion de circulation, circulation des actes et des signes, des formules et des rédacteurs, semble la mieux à même de restituer une trame complexe dans ses composantes variées, dans son emboîtement d'air géographique, trame de parcours, de transfert. À cette aune, en effet, la production diplomatique, au sens large, acte comme document de gestion, reçoit un éclairage inédit. L'innovation technique touche fréquemment de vastes zones, malgré quelques poches de résistance. Elle est souvent massive, sans être concertée, et elle progresse plus en saut de puce qu'en ligne droite, en ce mouvement brownien cher à Marc Bloch. Bref, l'innovation diplomatique peut se mesurer dans sa place et son succès, mais elle révèle aussi en creux le mélange de volontarisme, de conformisme, de passivité qui semble souvent caractériser l'attitude de tous ceux qui norment, contrôlent, dirigent la production des chancelleries et des spécialistes de l'écrit. Je vous remercie.